Janet organise une soirée pour annoncer son mariage avec Clément. Par courtoisie, elle invite Claudine à se joindre à eux, mais son attitude équivoque attise la méfiance de Janet. L'ex de Clément a décidé de s'installer à Montpellier pour soutenir Tristan et pour lui apporter son aide juridique. Mais peut-être n'est-ce pas là son unique objectif. Elliot a compris ce que tramait Gaspard et lui propose un plan susceptible de le tirer d'affaire. Mais Alicia entend mener les choses à sa manière. Malheureusement pour elle, Elliot a une autre stratégie en tête et la contraint à négocier avec lui pour le bien de Gaspard. À la colloque, les habitants s'interrogent sur l'attitude désinvolte d'Inès. Même Gary s'inquiète pour sa fille et s'en remet à mots. Inès finit par avouer ce qui la tracasse autant. Anissa, quant à elle, n'assume pas de jouer double jeu et préfère quitter Charles. Serge Riaboukine, un coupable idéal? À partir du lundi 11 octobre, Serge Riaboukine, la tour Montparnasse infernale, comme une image. Interprète Antoine Lanvin, machiniste à l'Opéra Houbecker et son équipe mène l'enquête à la suite du décès du régisseur.